Salut à tous, c'est Chint. Aujourd'hui, le test de Bubble Bricoleur sur PlayStation 2. Il est développé par Atomic Planet et édité par Mastertronic Group. Pourquoi il vous le faut? C'est simple. Pour commencer, il comprend deux modes de difficulté, facile et difficile. Pourquoi pas de mode normal? On sait pas. Le but du jeu, organiser une fête dans la vallée des tournesols. Pourquoi on fait une fête? On sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça va être chiant. Très chiant. La preuve, le jeu est une suite d'épreuves, 10 épreuves. Comme par exemple, nettoyer le sol. Cool, non? Creuser des fondations. Cool! Mélanger des ciments, cool. Le rapport avec une fête? À la fin de chaque épreuve, vous obtiendrez une coupe, soit en or, soit en argent, soit en bronze, qui vous servira à rien. Après avoir subi 9 épreuves du jeu, l'épreuve ultime, chanter. Chanter quoi? Le thème du jeu! Sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Sa bande s'amuse si. Bref, il nous faut ce jeu, car les jeux blastent, ça blaste. Yeah!